Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer la Ferrari de chez Adora Model. Ça va être le pack numéro 9. Si vous aussi vous souhaitez monter cette Ferrari, dans la description vous avez le lien pour vous y abonner. Le lien du groupe Facebook de construction. On s'abonne à la chaîne et on est parti pour ce pack 9. Allez, notre 65, c'est la portière gauche. Donc on va faire comme on avait fait de l'autre côté. On commence déjà par venir par ici. On va mettre le détail qui est là. Au fond. Et on y met une vis AA. On prend ensuite l'intérieur de la portière. On va mettre le panneau avant de la portière gauche. Donc il vient comme ça ici. Et là, on va y mettre deux vis Q. On vient ensuite positionner l'intérieur dessus. Voilà, et on va venir mettre trois vis, dont des G. Et voilà pour ce numéro 65. On commence par venir mettre le panneau intérieur en place. On vient ensuite mettre l'attoudoir par là. Enfin, le dernier ici. On la pousse pour l'instant. On revient par ici. Et on prend notre portière faite au numéro 62. On vient l'insérer dedans par là. Et on la règle bien. On va venir y mettre une vis type N. Voilà. On va mettre la deuxième en face. Voilà. On y met une vis type N aussi par là. Et voilà pour ce numéro 66. Note 67. Alors, on prend notre toit déjà. On va venir le placer au-dessus ici. On retourne ça. On va venir mettre des vis. Alors, il va falloir venir mettre 4 vis
donc deux vis type F déjà. F viennent par là. Et après, on va mettre deux vis type P. On peut ensuite venir mettre les pare-soleil. On prend ensuite notre circuit imprimé que on va venir mettre en place par ici. Avec trois vis type I. On prend ensuite le cache supérieur de l'étape 56. Tu vas venir se mettre par là. On récupère ensuite le sous-châssis supérieur arrière de l'étape 52. Donc c'est cette pièce-là qui elle va venir s'installer par là. Et on la tient avec 4 vis type EE. Récupère ensuite les deux montants de l'étape 42 et on vient les insérer dans le sous-châssis. Comme ça ici. Et comme ça. Et voilà pour ce numéro 67. Alors, le 68. Donc, on prend une tige 5 que l'on vient mettre à l'intérieur ici. Et on va mettre une vis type N là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, on va venir mettre les supports de moteur. Donc, ici. Et ici. Et on va y tenir avec des vis type G.
Alors, il faut récupérer ensuite le détail B. Bien récupérer celle de haut numéro. Donc, on va venir mettre ici. Et on va tenir ça avec deux vis type G. Ah mince. Faut que le plat soit orienté vers le côté passager. Voilà, comme ça. Et voilà. On prend ensuite nos moteurs. Donc le gauche, c'est le L. Donc celui-là va venir s'installer de ce côté-là. On va mettre le moteur en place dedans. Et on va y mettre 4 vis à chaque fois. Des vis type G. On met ensuite le deuxième. Et tout maintenant, les portières tiennent impeccables. Alors le 69. On va déjà venir par ici mettre le détail. Donc du numéro 46.
On prend ensuite le détail B. Ici. Voilà. Et voilà pour 69. On prend le détail dont on a fait tout à l'heure. On voit qu'il y a le petit puteau, le gros picot. On va mettre pareil. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire dans 70. Alors, on va déjà mettre nos tuyaux de prise d'air. Donc, le gauche vient par là. Ici. Voilà. Alors on prend le cadre avant droit qui est marqué derrière. On va venir le mettre par ici. Et on va le tenir déjà devant avec deux vis type J. Et on va mettre une vis type A ensuite ici. Pareil par là. On va ensuite venir y mettre notre pare-choc avant. Et on va mettre deux vis type N ici. Et voilà pour ce 71. Et le 72, c'est seulement notre pièce. C'est la pièce qui va venir par là. Et voilà pour ce pack numéro 9. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!